la réforme envisagée par le gouvernement aura des répercussions pour nous qui avons des missions et donc une activité salariée fractionnée. Donc nous craignons le pire, bien entendu, de ce gouvernement Macron. Et c'est pour cela que nous sommes là avec les autres pour nous opposer à cette réforme. On ne sait pas comment vont être comptabilisés le temps d'activité, on ne sait pas, il y a une histoire de fin quoi point aussi qui est en jeu. Les précaires, les intérimaires en particulier, sont souvent les laissés pour compte des réformes. On a pu le voir sur la réforme de l'assurance chômage également, où effectivement, les premiers à payer, c'est nous. Nous sommes accompagnants des élèves en situation de handicap. Nous sommes des personnels essentiellement à 90% de femmes. Nous avons un travail précaire, une fonction. Nous n'avons pas de statut au sein de l'éducation nationale. Et nous avons donc déjà de gros problèmes financiers avec des salaires qui tournent en moyenne autour de 700 euros. Et la réforme déjà la retraite, même sans réforme, va être très maigre pour nous. Mais alors avec la réforme de retraite, nous avons bien peur d'avoir encore moins que rien.